Bien, yop tout le monde, c'est Jules65. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série Comment avoir de bons skins. Donc, comme je vous l'ai dit hier, que j'allais faire des baits un petit peu dans la journée, ramasser des reines, etc. J'ai ramassé un rein à 131, 137, pardon, pendant une permanence dans mon lycée. Donc, plutôt content. Puis après, j'ai bait un peu, etc. Enfin, bref, je suis monté à 202. Donc, alors si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas envie d'attendre, etc. Donc vous baitez en même temps que vous faites les reines. Sinon vous attendez les reines, vous attendez jusqu'à 200. Maintenant la technique est assez simple. Comme je vous ai dit que 200 c'était la somme de base, vous portez vos couilles. Enfin, la somme de base. La somme... Et j'ai raté le rein. Fuck. Un rein à 50, non c'est pas grave. Vous portez vos couilles, vous mettez un 100, 1.2. Comme ça, vous avez 20. Je vous expliquer pourquoi. Si vous avez moins de couilles, vous voulez jouer beaucoup plus safe. Sauf que chose, pardon, que je vous conseille. Donc moi, vous voyez, je vais faire un petit 1.5 là, 20.5. On va bien voir. Attention. Tata, j'aurais pu faire un 100, 1.5, je pense. Attention. Tata, c'est passé. Donc, ce que je vous conseille, si vous attendez le prochain rain et vous voyez combien ce qu'il vous ramasse, c'est soit ramasser par exemple 50. Vous pouvez parier du 30. 1.2, ce qui vous fera à chaque fois 6. Ce qui vous permettra de sortir assez vite de 3, des 3, des 3, des 200 pour aller jusqu'à 300. Si vous êtes un peu moins ballsy et que vous voulez jouer quand même un peu plus safe, je vous conseille de faire des 20 1.2. Qui vous ramènera. Oh merde. Qui vous ramènera 4. Non, merde, j'ai mis beaucoup trop. Il faut que je m'arrête à 1.4. Qui vous ramènera 4. Et oh, ça passe, je suis content. Nice. Donc qui vous donnera 4, donc 4 plus 4 plus 4 plus 4 à chaque fois. C'est assez safe, comme ça passe assez souvent. Faut faire juste attention au red train. Donc c'est où qu'on les voit déjà, c'est ici, historique. Donc là par exemple, faut faire attention à ça. Faut faire attention à... Bah, c'est tout, pour l'instant il y a beaucoup de verre, donc tant mieux, c'est avantageux pour nous. Donc vous pariez des 20 en point 2, ce qui vous montrera 4 par 4 et vous allez comme ça jusqu'à 300. 300. À partir de 300, comme 200 est votre somme de base, vous pouvez reporter vos couilles. Ah oui, et donc pour ceux qui parient 100, 1.2, pardon, ça vous fait 20 et là vous montez 20 par 20. Enfin 20,1.2. Quoi qu'il arrive, en fait, faut monter 20,1.2. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tarter vos couilles, j'en ai rien à foutre. Bam, je pose 100, 2, je pose 100 fois 10. Ah, si vous réussissez, ça fait 1 euro dans votre poche. Et là, en ce moment, avec 1 euro, vous pouvez vous faire. Avec 1 euro, vous pouvez acheter un Technic Tornado. Donc, voilà, en fait, vous montez petit à petit comme ça. Donc, là, ce que je vais faire, moi, je vais monter. Pardon. Je vais monter à 300. À coup de 20, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et peut-être tenter des 1.2. Je vais monter à 300 et je vais porter mes couilles avec vous. Je vais poser un 100 fois 1,5. Ce qui fera 50 si ça passe. Comme ça me va 350 et limite si j'ai encore plus de couilles, je repose une deuxième fois. Comme ça je suis direct à 400. D'ailleurs, on va poser, ouais. Me mettre 1.5, si ça passe ça fait que je suis à 230. Il y a de fortes chances que ça passe parce que ça là est un green rain, donc un train vert. Donc voilà. Oh dommage, oh vraiment dommage. Donc là on peut tenter un 2.5. Si ça passe ça me remonte à 230. Pourquoi ça passerait pas? Parce que il y a eu ça d'affilée. Mais bon, je le sens bien que ça va passer. Je le sens vraiment bien. Alors attention. Ça passe à x2, je pourrais cash out, ça me rembourse direct là. Mais je suis joueur. Et voilà. Oh! Déception. Bon. On retente. Puis dernière fois, là je me permets de tenter parce que je sais très bien que je vais réussir à monter. Donc voilà. Donc on se retrouve que je serai vers 300-400. Pour ceux qui sont à plus, donc qui sont vers les 500, ce que je vous conseille c'est de parier du 100, 1.2 là par contre. Ce qui vous fera chaque fois 20. J'ai eu peur, je crois que ça allait recrash à 2 points, à 1,49. Donc, ce qui vous permettra de... Comment? Vous savez quoi? Je retente. Hein. Pff, honnêtement, si ça passe, ça me fait 30... ça me fait
40, ça me fait 50, donc ça ferait que je serais à 260. Et puis après, je vous laisse là. Bon, c'est pas grave. Donc, quand c'est comme ça, vous faites 10, 1.2, comme ça, vous remontez à 100. Si ça passe, sinon, vous redescendez à 180, et puis vous retentez un deux fois, machin, enfin. Voilà, vous cherchez à rester vers les 200. 200, c'est votre somme de base, ne surtout pas dépenser, essayez de garder ce qui vous permettra tout le temps de remonter. Voilà. Donc là, je vais tenter x3. Verra bien. Hein. De toute façon, moi, je suis vraiment très joueur, c'est pour ça que j'aime ce genre de site, parce que comme je suis joueur, je vais vouloir tout le temps aller. Allez, encore. Allez, allez. Toujours plus, et des fois tout perdre, et là, ça, et en fait, ça m'apprend à savoir pas garder mon calme, mais à savoir me limiter. Donc voilà, donc je vais aller manger, etc. Je bait un peu. On se retrouve quand je suis à 300. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve vite fait. Oh, j'ai peur. On se retrouve vite fait juste après, peut-être 3 minutes. Juste donc voilà, je vous montre historique. Donc j'ai parié 15 qui m'a remonté à 225. J'ai parié après donc là 5 ce qui m'a remonté à 230. Et donc j'ai parié, comme vous pouvez voir, un 30 ici en 1.4 que j'ai perdu. Donc là, bon, là je tente, c'est pas très grave si je perds. Juste pour vous montrer comme quoi, vous voyez, ça s'arrêtait ici à 1.9. Que vous voyez ça, ne relancez pas. Attendez toujours de voir si c'est pas un red train. Quitte à perdre peut-être 100, 200, ou si vous avez beaucoup, 2, 3000. Vaut mieux perdre 2, 3000 que de perdre par exemple 5 ou 6000. Donc voilà, je voulais juste vous préciser ça. Donc comme vous pouvez voir là, ça partit apparemment sur un red train. Donc on va retenter du 31.4. 31.4, ce qui fait 12. Si je me trompe pas, non. Ce qui fait 24. Je ne sais plus. Je ne sais plus compter. 31, 3, 6. 3, non, ce qui fait 12, c'est ça. Ce qui fait 12. Donc 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12. Voilà, je suis déjà à 40. Ça, je suis déjà à 50. Donc, on peut même tenter un peu. Donc là, ça risque de pas passer parce que ça crache. Il y a eu un moyen et un gros. Donc il y a des chances que ça recrache. Ça passe. Donc voilà, donc moi je enfin là pour aller beaucoup plus vite, je parie 30 1.4 mais vous restez vraiment sur du 20 1.2. Taquinez le 1.3 si ça vous tente, mais restez sinon sur du 20 1.2. Allez, à tout de suite. Donc re tout le monde, donc on se retrouve une petite heure après. Donc j'ai bait etc. J'ai gagné le rain aussi, donc je suis monté à 323. Du coup, maintenant, comment faire? Parce que si on prend depuis que j'ai commencé, je vous dis tout le temps de parier du 20 1.2. Donc, ce que je vous conseille maintenant, c'est tout, ça restera toujours sur du 1.2. Donc, moi, comme vous pouvez le voir, je fais du 1.4, mais si vous voulez, je peux faire du 1.2. Il y a un problème, je fais du 1.4 pour aller un peu plus vite en fait, parce que comme c'est une vidéo par jour que je peux tourner principalement. Ça fait mal. Que je peux tourner principalement que le soir, bah faut que j'aille assez vite donc keep deux fois putain. Okay, donc là faut pas parier. Quoique, allez, on tente tout ça avec quoi, c'est pas très grave. Attention, attention, attention. Donc pourquoi je fais ça en fait, ça va rembourser les 30 que je viens de perdre qui passent. Donc quand vous êtes à 300, je vous conseille de parier 30 1.2. Quand vous êtes à 400, 30, 40 1.3. 1.2. Oh, j'ai oublié la virgule, je vais m'arrêter à 1.2. Bon, 1.5, allez. Bah, j'aurais dû. Putain. Oh, fuck. Fuck me. Donc, comment? Quand vous êtes à 400, 40 1.2. 500, 50 1.2. À partir de 500, je vous déconseille de monter plus. Putain, non, mais sérieux quoi, stop là. Allez, une petite Denis, je retente là, mais bon, ça me fait un peu chier, je vous avoue, là. J'étais à 300, puis pouf, je perds tout, là. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais en faire. Quand vous êtes à 500, à partir de plus de 500, je vous déconseille de monter au-dessus de 50. J'espère que ça va me rembourser. Encore 15. 15, il me manque donc 25, ça veut dire qu'il faudrait que je parie un 20, 50, 1.5. C'est... Moi. Ça se tente.
Ça se tente, ça se tente, ça se tente. Ça se tente, ça se tente, ça se tente. C'est passé. Donc, parce qu'après 50 que vous perdez, 50 ça fait beaucoup, même 60, 70, déjà 40 c'est pas mal. Donc ça, moi je vous conseille, soit vous restez sur du 40, à partir de 400 vous restez sur du 400, 1.2, 1.3, 1.4 si vous avez un petit peu de chance. Vous montez jusqu'à 1000, soit vous pariez du 1 point, du 50, 1.2, ce qui vous fera 10 à chaque fois, et là vous montez jusqu'à 1000. À partir de 1000, pour ceux qui ont réussi à monter jusqu'à là, à partir de 1000, il faut comment? Il faut parier 100. Je ne dis, enfin, je ne dis pas il faut. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Il faut pas, enfin, moi je vous conseille de parier 100. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'à 1000, rien qu'avec 0 en commençant du tout début comme moi j'ai fait, si vous avez réussi à monter jusqu'à 1000, si jamais vous perdez 100, cours de 100 à 900, vous pouvez remonter. Vous pouvez largement remonter. Très largement remonter facilement. Donc c'est pour ça, vous parlez du 101.2, ce qui vous fait 20. Ça veut dire qu'en 5 parties, et comme vous pouvez le voir là, j'ai déjà 3 parties de réussite, donc ça me ferait 60. C'est-à-dire qu'en 5 parties vous gagnez 100, soit 10 centimes. En 10 parties vous prenez 1 euro. Non, en 10 parties vous prenez donc 20 centimes, donc en 50 parties vous prenez 1 euro. Vous passez à 2000. 2000, vous passez à du 200. 3000, vous passez à du 300. 4000, vous passez à du 400. 5000, vous passez soit du 5000, soit du 5, ah, du 500, soit du 400. Toujours 1.2. Ça sert à rien de chercher trop. Donc voilà. Donc là, comme ça va aller assez vite au début, c'est vraiment. Vraiment, j'essaie de vous expliquer. Comme vous pouvez voir, là, c'est un green raid. Donc là, faut pas hésiter à parier. Que vous voyez une affine. Que vous envoyez 3, 4, voire 5 d'affilée. N'hésitez pas à parier, surtout après qu'il y ait eu ça quoi. Voilà, je peux même parier. Ouais. Je vais le faire avec vous. Je vais attendre que ça bait, enfin que ça crache et je vais le faire avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voyez après que ça fait comme ça, 2, une lose, une lose, 2, 3, 3 lose. Donc là c'est le red train. Mais quand vous voyez ce genre de truc là, par exemple 2, une loose, 2, une loose, 2, évitez de trop parier ou pas, essayez de trouver le moment où parier. Et puis voilà, donc déçu. Donc quand c'est comme ça, vous faites 20, 1.3, ce qui va me faire 6 et me remonter à 300 si je gagne. Si j'ai bien calculé. Voilà. Donc voilà, petite vidéo vite fait, enfin vite fait entre guillemets. Là où je vous explique comment monter jusqu'à 1000, facilement 1000. Donc voilà, sur ce les gens, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de monter jusqu'à... Mais putain, j'ai pas de chance là ou quoi? On va parler un petit 2. J'essaie de monter jusqu'à 1000. Non, c'est pas possible. Jusqu'à 500 et encore vous montrer l'avancement que je fais, etc. Pour PvP Pro, comme d'hab, hein, je joue encore dessus, mais... J'ai vraiment pas de chance là. Et vous savez quoi? J'ai envie de tenter un truc. 101.6. De toute façon, je pourrais remonter quoi qu'il arrive. Vous inquiétez pas pour ça, je pourrais remonter. J'ai envie de cash out. Est-ce que je retente? Allez. De toute façon, même avec 40, je pourrais remonter. C'est pour ça que je me permets de faire ça. Voilà, ça c'est ce qui s'appelle porter ses couilles. Mais quand ça passe, vous faites 60. Et c'est... Enfin là, oui, enfin là je me fais 60. Et c'est vraiment un jackpot. Et en plus, ça passe. J'aurais pu même tenter x2. Donc voilà. Sur ce, les gens, je vais essayer de monter à 500 demain et je vais continuer à vous montrer l'avancement, etc. En plus, ça pas. Franchement, ça se tente. Qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? Ça se tente pas, ça. Oh putain, c'est passé. Voilà, donc ça s'appelle porter ses couilles et vous voyez, ça passe. Donc des fois, il faut trouver le bon moment pour porter ses couilles et dire j'emmerde le monde, je fais. Et si ça passe, bim, c'est pourquoi ça pas bait? Bim, c'est le jackpot. Donc voilà. Et donc sur ce, les gens se trouvent demain. Je serai à 500 sur un petit skin qui m'intéresse. Donc par exemple, là j'avais vu qu'il y avait un petit Tech9 tout à l'heure. Bah, il y a plus, il y avait un petit Tech9 qui était assez sympa à 585.
Donc si jamais il y a un autre truc assez sympa qui est plutôt bien, j'achèterai parce que sinon voilà c'est du 10 000 et puis on va partir sur une petite Awa Breadline. Si on peut même voir la Star Trek Phobos ici. En fait je voudrais une Awa avec Star Trek qui soit plutôt bien. Je sais que la Electric Wave est pas mal, bon après il hein, y a The Best of the Best, voilà, 2000 euros. Voilà, après il y a aussi un petit 40 bits que j'aimerais bien, c'est le 40 bits. Non, c'est pas un 40 bits. C'est un. Voilà, c'est celui-là. L'autre, c'est un 40 bits. Je sais pas s'il y a encore. Si, c'est celui-là. Donc voilà. Donc, mais ça, ce sera dans d'ici 10-15 épisodes, voire beaucoup plus. Donc, sur ce, les gens, on se retrouve demain. A plus et bonne nuit tout le monde.